Dans un pays comme la France, les Juifs ont pu avoir l'impression qu'ils étaient complètement acceptés et que l'antisémitisme était vraiment derrière eux, parce que il y a eu la fraternité des tranchées. Des écrivains qui étaient antisémites se sont mis à dire que non, bah finalement, il y a une famille israélite aussi en France, qu'elle fait partie des familles spirituelles de la France, etc., etc. Et donc ils sont rassurés. Ils peuvent peut-être se montrer plus juifs qu'avant ou explorer leur judaïsme. Avec plus de tranquillité d'esprit. Il ne s'agit plus de se fondre dans l'Europe, dans l'esprit européen, mais il s'agit d'apporter des réponses spécifiquement juives aux questions, aux grandes questions sociétales, philosophiques, etc., que le monde contemporain, le monde européen, se pose à lui-même. Il s'agit de, comment dire, de reconquérir des connaissances en matière de judaïsme que les juifs émancipés, intégrés avaient perdues. Ce sera selon des modalités très, très différentes. Chez Scholem, on sait que ça s'accompagnera de l'apprentissage de la langue hébraïque et puis d'une plongée peu commune dans une littérature qu'il reproche à la génération de ses parents d'avoir laissée derrière eux. Il y a un foisonnement culturel, sociopolitique, religieux, extraordinaire. La renaissance culturelle juive consiste aussi en un changement profond du regard porté de l'Ouest vers l'Est. Auparavant, le judaïsme d'Europe orientale, les Ostjuden, était particulièrement dénigré à l'Ouest. C'était un judaïsme arriéré, c'était un judaïsme qu'il fallait progressivement intégrer à la civilisation. Et bien désormais, ce n'est plus du tout le cas. Dans l'entre-deux-guerres, c'est particulièrement manifeste, même si ça avait déjà commencé un peu avant, eh bien, le judaïsme d'Europe de l'Est est au contraire un modèle, le lieu d'un véritable retour aux sources pour ces juifs assimilés. Les juifs européens, donc des juifs de Berlin, de Vilnius, de Varsovie, de Paris, viennent en Union soviétique ou en tout cas collaborent avec les juifs soviétiques. Évidemment, tout ça se referme et se termine dans les années 1930, mais c'est une période vraiment très foisonnante. Et c'est particulièrement intéressant d'observer ces développements dans la République de Biélorussie parce que c'était une république qui reconnaissait quatre langues officielles, donc le russe, le biélorusse, le polonais et le yiddish, donc ce qui veut dire qu'il y avait des écoles dans toutes ces langues, des institutions scientifiques, des universités dans toutes ces langues, la poste pouvait fonctionner, vous pouviez envoyer une lettre en yiddish, en polonais, en biélorusse ou en russe, le facteur était censé pouvoir déchiffrer l'adresse. Donc il y a une expérience nationale aussi qui a donné des transferts culturels absolument fascinants pendant cette période, avec de même, des apports européens, ouest-européens, beaucoup d'écrivains, par exemple biélorusses, qui avaient émigré au moment de la prise de pouvoir des bolcheviks en 1918, reviennent dans les années 20, participent à l'Institut de la culture biélorusse, et créent des conditions de création d'une culture qui est nationale, soviétique, mais aussi qui fait partie d'une scène scientifique et culturelle européenne. Il y a une renaissance culturelle yiddishisante, si vous voulez, en Pologne, très vivante. À Varsovie, vous avez 200 000 juifs à peu près, des quotidiens en yiddish, des tas de revues, une vie associative, de la création littéraire, de la recherche historique. Enfin, c'est un foisonnement. La culture yiddish soviétique des années 30, même à une période de stalinisme triomphant, n'était pas complètement déconnectée de la culture européenne. D'ailleurs, par exemple, le Gossette, le théâtre yiddish de Moscou, jouait à ce moment-là Shakespeare en yiddish, le Roi Lear. Donc on voit que même aux périodes où le socialisme réaliste et une vision très 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 étroite de la politique culturelle soviétique est imposée par Staline, le modèle européen, la culture européenne sert toujours de référence pour les autorités soviétiques, mais aussi pour les élites culturelles juives d'Union soviétique.